Est à la deuxième place et retrouve Ilan Zhao à la quatrième place. Marin Grasso de la Charente-Maritime qui était en tête de ce peloton. Là, les coureurs, alors que là, on retrouve Gaëtan qui est parti aussi le nordiste dans cette épreuve, dans cette catégorie. Et derrière, eh bien, on va avoir dans quelques secondes le passage du peloton féminin ici sur la ligne avec. Allez, c'est notre Loise, Lisa, Usegio qui est passé en première position devant Émilie Caz. À la deuxième place pour l'instant, retrouvée à la troisième place, Louise Chavin pour le comité de la Dordogne. Voilà pour ce départ. Celui-ci en tête de course avec les premiers tours de Céline Sao à la deuxième place. On est en train de se Allez, Mathéo! Allez, Ancine! Allez, Poussin! Allez, Poussin! Allez, Mathéo!
À quelle finale encore Bernard avec ce coureur donc encore une fois des Hautes-Pyrénées, le champion donc d'Occitanie et donc le grand vainqueur de ce championnat national réservé à catégorie 11 ou 12 ans masculin. Quel régal, quel plaisir d'avoir pu voir cette bagarre pour la victoire chez les garçons. Vraiment, c'est dans le dernier tour que ça s'est joué avec sûrement une petite erreur, une seule erreur technique pour le coureur, alors que l'on va retrouver les féminines ici dans le final maintenant. Les coureurs qui sont en train tous d'en terminer maintenant. Et on laisse terminer le plot aussi dans ses copies. Et juste derrière, et bien on va retrouver notre Gaëtan qui en termine. Bravo Gaëtan, Gaëtan Kromelec qui franchit la ligne. Bravo Gaëtan. Et il s'est bien battu Gaëtan, et lui aussi tout fier de terminer cette épreuve, alors que Armand Guichard de la Champe, restez sur la ligne d'arrivée s'il vous plaît. Avec le final de Malo Faré qui en termine. On retrouve ici les coureurs et la victoire de Emikaz. Emikaz encore de ce département du Haut-Pyrénées. Vraiment. Et notre
petit bonhomme ici, avec sur un marantail, Adam Piquet de la Vienne qui en termine. Mais vous voyez que c'est ça le propre de ce championnat national UFOLEP, ouvert à toutes les tailles, ouvert à tous les âges, ouvert. Et donc malheureusement, le coureur, c'est le 63. Qui est à côté, notre, comme bien sûr, on peut dire, qui finit bien sûr à pied suite à l'ingénieur mécanique. Ah, un sillard mécanique pour notre petite demoiselle. On sera à compléter le podium et on va démarrer par la troisième place pour Ilan Fleurot, le nordiste. Céline qui a longtemps tenu la première place. On va le laisser monter sur ce podium. Ilan, enlève le casque, mon Ilan. Enlève le casque. Wout Van Aert, il a le même pareil que toi, mais lui, il gagne plus de sous. Donc, toi, le casque, tu as dû l'acheter, lui, on lui a donné. Enlève aussi. Oh là 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 là. Mais il faut tout leur dire. Et c'est l'émotion de monter sur ce podium. Ilan, raconte-nous ce dernier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite erreur technique qui t'a été fatale? Ah là là, voilà. Ça, c'est souvent l'énervement dans le dernier tour. On se mélange un peu les pinceaux. Heureusement qu'on n'a que deux pattes. Mais le dérailleur, ce diable dérailleur, toujours cette chaîne qui saute, mais quand même une belle troisième place. Voilà pour le nordiste, belle sélection aussi, même s'il y a pour Ilan un petit peu de déception. Mais allez, Ilan, c'est tout jeune tout ça, on te retrouvera très très vite sur les autres marches. Le vice-champion national, tout près de la victoire pour Lyon, Matteo Perrette. Bravo. Ah, qui aura fait lui aussi une sacrée course, hein. Matteo, il a été très actif pendant l'épreuve et dans le final, eh bien, on a cru que Matteo d'ailleurs allait faire la sélection. Matteo, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tour? T'as tout donné, peut-être un peu trop tôt, parce que quand on t'a vu attaquer, on s'est dit ça y est, c'est bon, il part à la gagne. Oui, au dernier tour, j'ai lancé mon sprint un peu trop tôt et avant la ligne d'arrivée, j'avais très mal aux jambes. Il n'y avait plus d'huile dans le moteur? Oui. C'est comme ça qu'on apprend, mais quand même une très belle deuxième place. Et Florian, eh bien, on va accueillir sur la plus haute marche du podium le nouveau national, encore une fois les couleurs des Hautes-Pyrénées, monsieur Yann Delose. Oh, Yann Larose, lui aussi, il le voulait ce titre. Il s'est battu toute la saison. Je ne sais pas même si papa, il n'a pas fait exprès de tomber à Salis pour être là aujourd'hui et pouvoir savourer la victoire de son fiston. Oh, Yann, dis-moi, oh, Yann, quand tu as franchi la ligne, qui c'est qui était le plus heureux, toi ou papa? Les deux, je pense. Les deux. Et ce soir, finalement, vous faites quoi? Une soirée quoi? Une soirée McDo, comme il t'avait promis si tu gagnais? Ou bistec nouille? Voilà, voilà, donc voilà, c'était pas. On va négocier, tu négocies, Ilan, et on va laisser ce magnifique, magnifique podium avec le nouveau champion national. Et on va appeler pour compléter ce podium le coureur qui porte les couleurs de la Gironde, Éloi Turteau, qui n'est que. Lui licencié à l'UFOLEP et donc à ce titre il reçoit le maillot de champion national et il va aller se placer à côté de Oyan. Oyan, tu vas te mettre sur le côté s'il te plaît. Heureusement que t'es pas très grand, moi il faudrait me pousser beaucoup pour y mettre. Et on va donc retrouver le Girondin, notre petit Girondin, sur cette plus haute marche du podium et voir un public leur faire un triomphe.